Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la Motorola Xoom en version Wi-Fi seulement. Donc c'est la toute première tablette Android 3.0 à sortir en France. Donc elle est déjà sortie depuis un certain temps aux États-Unis. Voilà. Donc la tablette en elle-même fait 10 pouces, elle a un écran de 10 pouces. Elle a donc Android 3.0 avec très bientôt la mise à jour en 3.1. Elle est déjà disponible aux États-Unis. Elle a un processeur Nvidia Tegra 2 Dual Core, un appareil photo 5 mégapixels avec flash dual LED. Donc elle a un espace de stockage de 32 Go, un port micro USB, une sortie micro HDMI mais sans câble fourni, donc il faudra acheter un adaptateur vers HDMI, un port pour la recharger. Ici on a juste des boutons pour le son. Ici on a un port pour la carte micro SD mais qui ne fonctionne pas encore, donc il faudra attendre une mise à jour pour qu'il fonctionne. Ici on a la sortie audio, donc c'est du jack 3.5 classique. Et aucun bouton ailleurs. Voilà, donc en fait on l'allume ici. Alors c'est un peu étrange puisque le bouton d'allumage se trouve à l'arrière en fait. Voilà. Voilà, et donc le bouton d'allumage et de déverrouillage se trouve à l'arrière. Voilà, donc comme je l'ai dit, elle fait l'écran fait 10 pouces. Elle est assez lourde, hein. Bon, c'est une tablette 10 pouces évidemment, mais elle est quand même très lourde. Elle est plus lourde que l'iPad 1 par exemple. Ça doit être probablement la plus lourde des tablettes, donc à l'usage on est vite un peu gêné par ce poids. Voilà, donc le démarrage d'Android 3.0, hein. Voilà, donc c'est surtout le système d'exploitation qui fait tout l'intérêt de la tablette, mais aussi le fait qu'elle soit dual core évidemment. Voilà, donc là Android vient de finir de démarrer. On est sur l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage plus précisément. Donc on voit qu'on a une indication sur le Wi-Fi et sur le niveau de la batterie. Voilà, donc il suffit de slider sur le côté pour déverrouiller la tablette. Et donc ici on a les bureaux Android, donc relativement classiques. Donc ici on en a 5 je crois, voilà. Alors comme on le voit, on a des widgets assez travaillés, donc ça c'est une application en plus, mais ça par exemple c'est un widget Gmail qui est scrollable en fait, donc on peut scroller dedans et qui affiche 3 mails par défaut, les 3 mails les plus récents. Donc on voit de suite qu'on a beaucoup plus d'informations à l'écran qu'un Android 2.2 ou même 2.3. Donc c'est vraiment l'avantage de la tablette, c'est profiter de l'espace fourni sur un grand écran. Donc on a finalement un système d'exploitation qui s'adapte beaucoup plus que celui d'une Galaxy Tab par exemple. Donc sur une Galaxy Tab vous avez des widgets beaucoup plus petits que ça, par exemple vous n'avez pas de widgets Gmail qui sont scrollables, qui permettent d'afficher autant d'informations. Et donc du coup l'usage, l'ergonomie de toute la tablette est beaucoup plus agréable. Alors c'est pas le cas de toutes les applications, comme on va le voir par exemple Facebook ici n'a pas été refait pour les tablettes, donc du coup on a des icônes minuscules et très espacées, donc c'est vraiment pas ergonomique du tout. Au niveau de tout ce qui est notification c'est un peu la même chose, mais sur le site en lui-même on voit que c'est pas vraiment très bien fait, on a un affichage qui est très long. Là c'est à peine mieux, de cette façon en portrait, mais globalement l'écran est trop grand, il est mal exploité. Voilà. Donc par contre on a des applications qui elles supportent bien mieux le système d'exploitation, comme par exemple Plume, qui est une application Twitter faite exprès pour Android 3.0, et donc du coup le grand écran est bien mieux exploité. Donc on a par exemple trois colonnes simultanées qui sont affichées, donc les mentions, les messages directs et la timeline par défaut. Après on peut tout paramétrer, alors que sur une application faite pour les smartphones, donc Android 2.2, 2.3 ou les précédentes, on aurait par exemple que la timeline qui serait affichée du coup en très large, et le reste de l'écran serait très mal exploité.
Voilà, donc du coup c'est bien plus pratique et quand toutes les applications seront aussi travaillées que ça, seront aussi travaillées que Plume par exemple, on aura une utilisation beaucoup plus agréable. Un autre exemple d'application bien optimisée, c'est par exemple Gmail. Donc évidemment c'est une application native développée par Google, donc forcément elle est mieux optimisée, mais on voit là clairement qu'on a une utilisation de la surface de l'écran bien meilleure que sur une tablette qui serait équipée d'Android 2.2 ou 2.3. On a ici donc la liste des emails, des conversations, et ici on a donc le détail de l'email. Voilà, donc tout se charge assez rapidement, sans problème. Image y compris. Voilà, normalement en tout cas. Donc on a des applications vraiment qui sont très bien optimisées pour la tablette. Par contre, quand elles ne le sont pas, forcément, ça s'affiche beaucoup moins bien. Voilà, donc là on a sur cette vue les emails en complet. Avec la possibilité de répondre comme ça. Donc on a vraiment. Alors c'est pas évident de tout filmer du coup, mais donc là on a vraiment le menu complet jusqu'au clavier. Et voilà donc la réponse à un email en mode paysage. Voilà, donc ça c'était pour les applications qui sont optimisées et celles qui le sont moins. Donc on voit clairement que l'usage dépend fortement finalement des applications. En parlant d'applications, on va aller tout de suite dans le menu des applications. Donc comme on le voit, le raccourci est là-haut. Alors j'en ai pas encore parlé, mais bon, j'ai déjà utilisé, donc vous avez forcément remarqué, c'est les touches en fait ici, les touches de menu, donc retour, home, ça c'est pour passer, c'est le bouton multitâche donc qui permet de passer d'une application à une autre, et le bouton menu, donc là il n'y en a pas, mais il apparaît parfois ici, sont tactiles et non plus physiques comme sur la plupart des smartphones Android. Alors on avait déjà vu ça avec des tablettes comme les Arcos par exemple, les Internet tablettes, alors 7 pouces, 10 pouces, etc. avaient elles aussi des boutons pas physiques mais des boutons tactiles pour alors qu'elles utilisaient Android 2.2. Mais là, sur Android 3, c'est visiblement la norme. Toutes les tablettes ont des boutons intégrés finalement à l'OS et non des boutons physiques, donc c'est des boutons tactiles. Pourquoi? Parce que tout simplement ils sont toujours au même endroit en bas à gauche quand on tourne la tablette. Voilà, donc là on voit que même si la tablette est à l'envers, on a toujours l'interface qui suit, un peu comme sur un iPad finalement. Ça a été c'est un peu une mode, alors là elle s'est mise en veille, voilà, c'est un peu une mode qui a été lancée sur l'iPad et bon, ça a été suivi, et d'ailleurs c'est une première sur Android. La Home, alors là ça met un peu de temps parce que j'ai pas arrêté de la tourner, mais la Home, donc l'écran d'accueil en fait, l'ensemble des bureaux bascule, tout est géré, bascule en portrait quand on tourne l'appareil en fait. Voilà, donc là on le voit, tous les widgets basculent sans souci. Voilà, et là. Alors là c'est assez lent. Bon, encore une fois, bon, j'ai beaucoup de widgets, certains qui sont pas optimisés pour Android 3, donc c'est peut-être ça qui ralentit un peu. Voilà, donc je vais revenir donc au menu des applications. Elles sont ici et on défile sur le côté en fait, et non plus de bas en haut, mais maintenant c'est sur le côté. Je pense que c'est le fait d'utiliser globalement le plus souvent la tablette en mode paysage qui fait qu'on slide sur le côté, alors qu'un smartphone on va l'utiliser plus souvent en mode portrait et donc du coup on slide de haut en bas. Voilà, je pense que c'est un peu la justification du fait d'avoir changé le côté du slide. Donc là on a toutes les applications et là que celles qui sont téléchargées. Voilà, donc comme on le voit, on avait un certain nombre d'intégrés par défaut, comme par exemple l'email, la calculatrice ou les contacts, tout ce genre de choses. Alors bien sûr on a une application contact même si on n'a pas de carte SIM dans la Zoom, hein, les contacts sont de toute façon synchronisés avec Gmail et donc on peut s'en servir pour les emails ou autre chose même si on n'a pas de carte SIM. Donc voilà pour le menu des applications, donc comme on le voit ça va assez rapidement.
Quoi de particulier? Alors on a comme sur Android 2.3 une liste de téléchargement. Alors là bon j'en ai pas donc c'est pas super, mais c'est vrai que c'est assez utile quand on télécharge des applications sur le navigateur par défaut, des applications, des fichiers sur le navigateur par défaut. Une fois qu'on les a téléchargés, alors on a une petite notification évidemment, mais une fois qu'on les a téléchargés, pour les retrouver après, c'est pas toujours facile. Donc là, on a la possibilité d'avoir, depuis Android 2.3, c'est pas une exclusivité de Android 3.0, on a la possibilité de retrouver tous ces fichiers téléchargés. Alors je viens de vous parler des notifications. Donc comme vous pouvez le constater là, on n'a plus la barre de notification qui descend en fait vers le haut. Elle est en fait vers le bas. Donc là par exemple j'ai une notification Facebook, donc j'ai un petit icône à côté de l'heure, donc ça ressemble pas mal un peu à du Windows, hein. J'ai une petite notification ici, voilà, c'est Facebook, quelqu'un qui a commenté mon statut. Donc je peux la fermer. Ici j'ai autre chose, un logiciel qui tourne, qui me dit que j'ai 18 messages non lus. Voilà. On accède via cette barre de notification aux paramètres rapides comme le Wi-Fi, le niveau de batterie, la date et l'heure. Et si on veut plus de détails, là on a un petit peu tout. On peut activer et désactiver le mode avion, les paramètres du Wi-Fi, verrouiller l'orientation de l'écran, régler la luminosité ou la passer en automatique, activer ou désactiver les notifications et enfin passer au menu complet des paramètres. Donc là, on retrouve quelque chose d'assez proche dans ce menu-là de ce qu'on connaît d'Android, donc d'Android 2.2, 2.3 et même les précédentes, où on peut gérer en détail les connexions sans fil, le son, l'affichage, tous les paramètres de localisation, les comptes, les applications, le stockage. Donc c'est ici qu'on voit qu'on a 28 Go, donc en fait c'est 32 Go de mémoire complète, de mémoire physique complète, en plus du port micro SD. Là on a tout ce qui est saisie, clavier, langue, accessibilité, date et heure, et donc les informations sur la tablette. Donc là comme on le voit, on est en version 3.0 et il n'y a pour l'instant aucune mise à jour disponible, mais ça devrait arriver normalement très vite. Voilà, donc on a fait le tour des applications, des paramètres. On va passer maintenant à la configuration du bureau, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai pas expliqué comment ajouter des widgets ou autres. Donc ça se passe en fait via ce petit bouton plus ici, voilà. Ou comme d'habitude, je vais aller à un endroit où il y a un peu plus de place, comme d'habitude, en appui long sur le bureau, on arrive directement ici. Alors on peut ajouter donc des widgets, des raccourcis vers les applications, des fonds d'écran, changer le fond d'écran, et d'autres choses un peu plus particulières comme des favoris, des itinéraires Google Maps, des libellés Gmail, mais ça c'est pas tout neuf, ça existe déjà sur les autres versions. Alors au niveau des widgets, donc on a quelques widgets de base comme l'agenda et des widgets qu'on peut rajouter d'applications comme par exemple les widgets agenda que j'ai ici qui font un peu toutes les tailles et qui sont donc du coup beaucoup plus adaptés que le widget agenda classique.